Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment rendre une femme folle amoureuse en 7 astuces. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Qui je suis, qu'est-ce que rendre une femme amoureuse, parce que il faut qu'on en parle, et puis les différentes astuces. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leur relation amoureuse. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qu'est-ce que rendre une femme folle amoureuse? C'est ce principe dans lequel une femme va être complètement omnibulée, va être victime de la fixette, la fameuse fixette pour laquelle parfois les hommes, nous avons eu le secret ou nous avons été victimes une fois ou plusieurs fois dans notre vie, le fait de ne penser qu'à une seule personne. Quelle que soit la nature d'importance de notre vie professionnelle ou personnelle, nous n'allons penser qu'à une seule femme. Et bien là, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que la fille en question va être victime d'une fixette pour nous et ne va penser qu'à nous et ne va vouloir qu'une seule chose, c'est savoir ce que nous faisons et surtout passer du temps avec nous. Alors cette fameuse façon de rendre une femme amoureuse, il y a des différentes astuces, différentes techniques que nous allons voir ensemble dans cette vidéo et que je t'invite à bien écouter pour pouvoir les appliquer dès maintenant dans ta vie personnelle. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce, c'est d'arrêter de l'appeler et de lui envoyer des SMS, ainsi que de l'harceler sur les médias sociaux. Prévois de l'espace et de la vie privée pour lui permettre une deuxième chance. Ce qui est intéressant, c'est finalement d'être quelqu'un de très occupé, mais pas de quelqu'un de très occupé en faisant semblant, être vraiment quelqu'un de très occupé. Et pour cela, il y a encore une activité et des activités qui sont vraiment importantes et qui nourrissent une personne qui est dans le développement personnel et une personne alpha, c'est le fait de soit être avec des personnes, donc socialement actif, soit de regarder des films, donc de voir des choses, soit de lire des choses. Ce sont principalement les choses les plus importantes. Donc on va être socialement actif en allant voir un concert, en allant dans un pub, en allant à l'opéra, au cinéma, bref, faire plein de choses. Et ceci va nous permettre d'arrêter de penser à l'appeler, de lui envoyer des SMS et de surtout être toujours disponible pour elle. L'objectif, c'est de lui montrer que nous avons une réelle vie sans elle et que nous n'attendons pas spécialement qu'elle soit présente pour pouvoir être heureux. Deuxième astuce, c'est d'arrêter de boire ou de fumer de la marijuana ou autre chose. Si tu es triste et émotif, concentre-toi sur toi-même pendant 30 jours. C'est un truc qui peut arriver et qui arrive très souvent aux personnes qui n'ont justement pas le temps ou qui n'ont pas appris à développer leur personnalité en apprenant de nouvelles choses et surtout en ayant une vraie vie sans son partenaire de vie. Très souvent, les personnes vont vouloir choisir des personnes par défaut pour être en couple et ne vont rien faire d'autre que attendre leur partenaire de vie pour pouvoir vivre les choses de leur couple. La vérité, c'est que vous devez avoir des choses à faire et que quand vous serez en couple, vous continuerez à les faire, que ce soit une activité sportive personnelle que vous appréciez faire et vous continuerez à faire lorsque vous serez en couple, ou que ce soit une activité sportive compatible avec la personne avec qui vous êtes. Pour autant, boire ou fumer ou bref, faire des activités qui vont nuire à votre santé ne va pas améliorer votre état. Au contraire, vous n'allez pas être votre propre personnalité. Donc, vous allez attirer des personnes qui ne vous ressemblent pas et vous allez vous retrouver dans des impasses que vous ne vouliez pas fréquenter. Troisième astuce, c'est canaliser la douleur en vous-même. Inquiétez-vous et faites des choses pour être un meilleur gars. C'est très frustrant de ne pas être en couple, de ne pas être avec quelqu'un qu'on apprécie, ou alors d'avoir été rejeté d'une situation ou d'une relation précédente, mais c'est une opportunité pour toi d'être un meilleur gars. Par exemple, personnellement, je sais que la fois où j'ai rompu avec ma première petite copine était pour moi la pire situation que j'avais rencontrée dans ma vie, en tout cas l'une des pires situations, parce que je me voyais vraiment aller de l'avant et que quand je me suis retrouvé seul et qu'elle m'a dit que c'était terminé, eh bien j'avais vraiment pas du tout envie et j'avais cette grosse douleur au fond de moi. Mais maintenant, quand j'y repense, après tout ce que j'ai vécu grâce à ça, je me dis que c'est la meilleure chose qui nous arrive. D'ailleurs, très souvent, on se rend compte dans la vie que les pires choses qui puissent nous arriver sont finalement, après coup, après quelques années, les meilleures choses qui nous sont arrivées,
car ça nous a permis de pouvoir rebondir et trouver un nouvel idéal à suivre. Quatrième astuce, c'est trouver de nouveaux loisirs. Faites-vous de nouveaux amis et connectez-vous avec de vieux amis. Soyez avec des personnes que vous aimez et faites de nouvelles choses. L'une des facteurs clés de succès quand on est encore plus en séduction, quand on est encore plus avec des femmes qu'on rencontre pour la première fois, c'est d'activer et d'augmenter son niveau de sociabilité, de sortir des événements Airbnb, des événements couchsurfing, plein d'événements dans lesquels vous allez rencontrer de nouvelles personnes et dans différents cercles sociaux pour faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et pour pouvoir eh bien, vous faire de nouveaux amis et avoir de nouveaux loisirs, ce qui va encore plus vous permettre de ne pas penser à la dite fille qui vous plaît certainement, mais que vous voulez vraiment voir si la relation pourrait aller beaucoup plus loin qu'un simple flirt comme vous venez de l'initier. Cinquième astuce, donnez-vous une cure de jouvence et publiez des photos. Réinventez-vous et sentez-vous incroyable à propos de qui vous êtes. Changez votre coupe de cheveux, achetez de nouveaux vêtements, prenez un ami élégant et limitez-le, prenez des photos de vous-même et affichez-les sur les réseaux sociaux. Donnez-vous une cure de jouvence. Très souvent, une nouvelle coupe de cheveux ou alors l'achat d'une nouvelle chemise, d'un nouveau pantalon, d'une nouvelle paire de chaussures va vous faire augmenter votre confiance en vous sitôt que vous soyez capable de pouvoir les porter dans les environnements dans lesquels vous allez pouvoir augmenter votre sociabilité et aussi augmenter votre valeur physique que les gens n'oublieront pas de remarquer en vous rencontrant. Sixième astuce, traitez vos problèmes. Prenez soin de vos problèmes émotionnels avec du counseling ou une thérapie afin que vous soyez à la place et que vous ayez de la place pour quelqu'un. Mais il n'y a rien de pire que de rencontrer cette fameuse fille qui pense encore à son ex et qui, dès les premiers rendez-vous, ne vous parle que de son ex et qui n'est pas du tout prête à commencer une nouvelle relation sérieuse uniquement qu'à prendre un peu d'oxygène et rencontrer quelqu'un de nouveau pour profiter et éventuellement tout faire pour paraître à ce que vous êtes le nouveau petit copain qui a toutes les caractéristiques de l'ancien petit copain. Donc vraiment, l'une des choses que vous détestez, c'est rencontrer ce genre de fille. Donc ne soyez pas ce garçon à votre tour qui va rencontrer une nouvelle fille, qui va lui parler de votre ex. Vous allez lui parler de votre ex complètement, totalement, et vous allez en fait saouler tout le monde avec votre histoire, alors que ce qu'on veut, c'est que vous soyez complètement disponible. Et c'est ce que vous voulez aussi, rencontrer des personnes qui soient totalement disponibles pour entamer une nouvelle relation telle que vous la souhaitez. Enfin, septième et dernière astuce, commencez à sortir. Ça ne veut pas dire dormir, soyez social et repartez pour voir que les autres vous trouvent attrayant. Testez votre niveau d'attractivité, votre valeur, rencontrez de nouvelles personnes, éliminez les personnes qui ne vous permettent pas d'avancer, de progresser, atténuez vos relations qui sont toxiques, augmentez et renforcez vos relations qui sont les plus agréables et les plus possibles et motivantes pour vous et créez de nouvelles relations avec des personnes élégantes qui vous inspirent et qui vous permettent de passer à un nouveau level. Peut-être que vous rencontrez des gens qui ont vraiment un point d'avance sur vous et qui vont permettre en les fréquentant d'accélérer votre progressivité, votre manière d'être et surtout de découvrir des astuces, des choses que vous ne saviez pas sur vous-même avant de rencontrer ces personnes et que si vous n'aviez pas rencontré ces personnes, vous n'auriez rien pu découvrir. C'est presque la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on passe à la dernière positive, je te propose de me dire qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo dans les commentaires juste en dessous. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis, en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. C'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien juste en dessous et je t'envoie dès maintenant la vidéo privée. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.